un mois du Tour Élite 2022 qualificatif pour le championnat d'Europe U17. L'équipe de France, entraînée par José Alcocer, se retrouve cette semaine à Clairefontaine pour un dernier stage de préparation autour d'une double confrontation avec le Danemark. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur FFF TV. Bonjour Laurent Châtrefou. Bonjour. Bienvenue et merci bien sûr d'être notre consultant d'un jour sur FFF TV. Vous êtes aussi et surtout bien sûr directeur technique national, adjoint également de Sylvain Ripoll avec l'équipe de France. Concentration et même parfois l'émotion pour nos jeunes bleuets qui vont eh bien, disputer et lancer cette semaine eh bien, de matchs amicaux face au Danemark. Et finalement, sur les seconds ballons, on va retrouver les Français. Mais attention avec ce bon duel-là, récupéré par les Danois avec justement cette première occasion de Quist. Quist qui avait essayé eh bien, d'ajuster le gardien français reste. On a vu notamment une belle activité de Zahir Emery là, dans ce milieu de terrain. Zahir Emery, attention, encore un ballon perdu là et cette récupération notamment de Højlund. Oh, attention avec ce ballon qui va filer juste à côté des cages gardées par Rest. Regardez ce bon ballon à la Portelle qui va essayer de rentrer dans cette surface de réparation. Il a percé côté droit, elle, il va essayer de se mettre sur son pied gauche. Oh, il l'a amené dans le zig, dans le zag, il a frappé dans la foulée. Et le nouvel arrêt de Sander. Et on casse les lignes du côté d'Atangana et Boa qui va essayer de poursuivre, qui va se présenter devant Sander justement. Il attend une solution, il a pu centrer. Hop, 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 hop. Il avait trouvé Guéguin qui avait réussi eh bien, à redresser ce ballon. Malheureusement, le cadre qui se dérobe. Après, c'est difficile pour le gardien, là, parce qu'il y va, il va au contre, et finalement, il lâche la pression sur le porteur qui peut se retourner. Avec quelqu'un pour frapper ce corner, au premier poteau, et l'ouverture du score. L'ouverture du score de Doué. Le voilà, ce but est bien inscrit par ce numéro 7, Désiré Doué du Stade Rennais, le frère de Guéla Doué, qui évolue en ce moment avec la réserve du Stade Rennais. Højlund, je te montre voilà, les lignes. Sortie. Très bien. Et regardez Matistel qui va prendre ce ballon. Oh, il va tenter le grand pont sur Sander qui va aller faire la faute. Alors là, ça peut être rouge. Et ce sera rouge. Ce sera rouge contre le gardien danois. On en avait beaucoup parlé, Laurent, de cette position avancée du gardien. Le petit ballon piqué pour aller essayer de retrouver eh bien, Billard. Ah, c'était bien fait ça, puisqu'il avait pu combiner avec Aiki à l'entrée de la surface de réparation. Billard qui va décaler désormais Guéguin. La frappe qui va passer à côté. Et il s'était détendu, Andreas Dittmar. Mais le cadre se dérobe. Janel Bélossian, qui était inscrit justement sur la liste des joueurs rennais pouvant disputer la Conference League. De l'autre côté, avec Désiré Doué qui a pris le ballon, qui va prendre le temps d'ajuster. Oh, cette fois-ci, ça fait deux occasions coup pour coup pour Billard. Justement du numéro 7 Doué. Et c'est ainsi eh bien, que va se siffler la fin de cette première période. 1-0 pour le moment en faveur de cette équipe de France. Oui, c'est intéressant parce que dès le début, on voit que si le petit Bélossian prend la conduite, il peut se passer quelque chose et ça décale tout le reste. Et à l'arrivée en deux transmissions, on se retrouve devant le but avec un bon centre du petit Elias Zidane. Donc c'est intéressant. Le corner là désormais de Guéguin, l'entrée des 5-50 avec la tête. Et bien voilà de Zidane qui vient doubler la mise pour cette équipe de France. La tête de Zidane qui permet aux Bleus de mener désormais 2-0. Les deux buts qui seront venus sur coup de pied arrêté. Emmené par Zahir Emery qui va décaler sur le côté droit. Doué. Désiré Doué, ouais, prise à deux là sur Désiré Doué. Ah, il a perdu son maillot. Vrad Jensen, attention le troisième but. Le voilà le troisième but français avec, me semble-t-il, le doublé peut-être pour Désiré Doué. Et voilà. Et voilà la fin du match, la victoire de l'équipe de France, 3-0. Le contrat, on va le dire, en tout cas au tableau d'affichage, est rempli.